1, 2, 3. When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling safe, Daniel, Julien, merci infiniment de nous rendre visite. Nous sommes au cœur du printemps de Bourges, sur le stand de la boîte noire et des guitares Lag. Et on est absolument ravis de vous recevoir parce qu'on s'est croisés il y a quelques temps sur Nantes. Donc vous êtes en tournée avec Yael Naïm et David Donatien. Et puis on n'avait pas eu trop le temps de faire un peu plus connaissance. Alors l'occasion fait le larron, comme on le dit. Exact. Vous êtes respectivement guitariste et bassiste. Comment vous avez rejoint, en fin de compte, on va dire, le projet de Yael et David? Bah, pour moi, c'était assez simple de rejoindre le projet puisque David et moi, on se connaît depuis plus de 15 ans. Ouais. Il jouait des percus dans mon groupe. Et la tournée précédente, je ne pouvais pas être là et je ne pouvais pas faire l'album, voilà. Etc. Et puis là, comme les choses se sont passées, bah, je suis arrivé, quoi. Voilà. Et Julien? Et moi, bah, j'ai fait la connaissance de David et de Daniel, d'ailleurs, en accompagnant une chanteuse qui s'appelle Malia. Mais il y a une dizaine d'années en tout cas, donc ça fait une dizaine d'années que je les connais, les T'as deux. T'as pas pris une ride hein, depuis. Ah oui, le folasse. Très joli. Non, et puis moi j'ai participé au premier album que j'ai enregistré. J'ai pas fait la tournée parce que j'ai eu une petite fille qui est née entre temps, donc je voulais m'en occuper. Et puis du coup, bah, pour le deuxième album que j'ai enregistré aussi, je fais la tournée aussi. Voilà, ce qui explique, on va dire, qu'on parle de changement un peu de configuration. Au départ, donc il y avait les musiciens, donc toujours Xavier, il y a eu Laurent à la basse, justement, ouais, pour ces raisons-là. Donc ça explique effectivement que là, sur deuxième album et cette deuxième tournée, vous soyez présents. Comment vous travaillez en fait tous ensemble? Alors vous connaissez depuis longtemps avec David. La deuxième album a pris une tournure encore plus personnelle, vraiment un climat sur scène aussi, c'est assez fabuleux. Enfin, on sent une osmose entre vous, qui vous lie là, qui est très très forte. Le travail, j'allais dire, de préparation pour une tournée, ça se passe comment avec eux en fait? Chacun amène, vous amenez votre patte personnelle. Ben, ils vont déjà tellement loin, si tu veux, au niveau de l'album, et ils travaillent tellement. Enfin, même moi, si j'ai participé en tant que bassiste et contrebassiste, ouais, j'ai fait que suivre les indications en conseillant une ou deux choses de temps en temps, mais ils vont loin eux-mêmes, ouais, dans le processus. Donc quand ils arrivent avec la matière pour le live, on n'a plus qu'à jouer ce qui est là et puis le détourner un peu à notre manière, ouais, et d'avoir un espace de liberté, ouais, par rapport à ce qui est là, quoi. Vous avez, on le sent, enfin, c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir, cet espace de liberté, de votre propre jeu, vous amenez votre personnalité, votre talent, et on sent que c'est... Disons que l'album de Yael et David, au niveau des basses, il n'y a pas trop une personnalité en tant que bassiste. Ouais. Maintenant, je pense qu'un mec comme Julien, ce qui est important, c'est que justement, c'est pour ça qu'il est là, c'est qu'il a une touch et des couleurs qui sont tellement particulières et bien à lui, que évidemment, quand tu appelles ce genre de gars, c'est pour qu'il mette son univers dans ta musique. Quoi. D'accord. Quoique tu es très modeste, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, pour avoir vu le spectacle que tu amènes, je confirme quand même aussi ton univers, sûr, et ta, oui, patte. Oui, mais tu vois, je suis plus, voilà, dans un créneau de tranquillité, je c'est-à-dire de mettre la fondation qui soit là, mais lui, c'est vraiment une couleur particulière, tu vois. Et ça peut être un bleu ou un mauve. Ouais, ouais. Et non, puis c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que pour la création de l'enregistrement du CD, on s'est vu énormément. Ouais. Sur une année et demie, on s'est vu à chaque fois, puis on se voyait des fois tous ensemble, des fois juste moi et elle, des fois juste Daniel, ouais, et elle, David. Et puis on passait 3-4 jours dans leur maison tous ensemble à essayer des trucs. Donc le travail en amont a déjà été super, ouais, grand, quoi. Ça, on ressent, alors c'est sincère, vraiment une complicité incroyable sur scène quand on vous voit, et ce qui fait que le public, quand on en fait partie, on partage complètement un vrai moment de bonheur avec vous. Et en plus, ça a été scénarisé un petit peu différemment, il y a des vraies ambiances, enfin voilà, enfin moi je... Juste alors peut-être en dehors aussi un petit peu, vous avez des projets autres, alors là vous êtes en pleine tournée, mais vous êtes peut-être aussi, comme beaucoup de musiciens, sur d'autres projets, peut-être différents musicalement. Bah alors oui, on a, autant Dan que moi, on a d'autres projets. Moi, j'ai un projet, un groupe à moi qui s'appelle Les Vautours, qui est un trio avec divers... On est trois musiciens, mais on a souvent des invités. Et puis là, on va travailler en principe sur un prochain album. J'aimerais aussi enregistrer un album avec Daniel et un autre batteur. Là, on a ce projet-là. Aussi une chanteuse, Malia, justement, avec qui on s'était rencontré, voilà, avec, ouais, qui je joue en duo aussi. Et puis plein de petits projets... Annexe, c'est ça. Et Daniel ? Et moi, en ce qui me concerne, j'ai un studio d'enregistrement, ouais, et je fais des productions en fait. Je repère des artistes que j'aime, je les emmène à la maison, je remets une équipe de musiciens et tout.
et je pousse le projet assez loin pour pouvoir après aller voir des maisons de disques et du développement d'artistes. Ouais. Voilà. Formidable, sympa. Donc je suis beaucoup là-dessus et des concerts avec mon propre groupe. Ouais. J'ai un groupe de funk où basse, batterie, guitare, clavier, sax, trompette, on est 6. Et c'est de la musique que j'écris et on fait pas mal de concerts avec ce groupe. D'accord, qui s'appelle ? Qui s'appelle Da Romeo and the Crazy Moondog Band. Et ben voilà, voilà, c'est formidable. Bon, je vais vous laisser vous préparer aussi parce que vous jouez dans quelques temps. Je vous remercie infiniment d'être passé nous voir. À toi. On se retrouvera de toute façon prochainement pour parler d'autres choses, de la vie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. C'est...